Souvent dans les films que j'ai faits, c'est parce que les personnages sont dans une vérité qu'ils vont au drame ou à la tragédie. Parce qu'ils ne voient pas les choses comme étant multiples. Et donc ils essayent de faire entendre leur vérité, ce qui évidemment souvent tourne mal. Ils se posent toujours une première question, je dirais, avant de commencer un film, c'est de savoir, est-ce que je vais faire comme si c'était vrai, ou est-ce que je vais, en gros, est-ce que je vais être dans le naturalisme ou pas? Et ici, si on parle de l'économie du couple, par exemple, je ne tenais pas à ce que ça fasse réel. Parce que c'est une manière, ne pas faire réel, c'est une manière de, justement, d'ouvrir sur les hypothèses, d'ouvrir sur autre chose que le réel. Le réel qui aujourd'hui fait vérité. On dit des films, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, on dit d'un film qui est toujours une fiction, toujours une élaboration, toujours un grand mensonge. On dit, oui, mais c'est l'histoire vraie de. C'est un sophisme, ça ne veut rien dire. La famille ou le couple, je pense que c'est un très bon sujet de cinéma parce que, en fait, l'intimité du couple, ou l'intimité familiale, c'est quelque chose qui forcément, il y a de la pudeur, il y a du. Dès lors qu'on amène une caméra pour filmer ça, ça n'existe plus. Donc autant se dire tout de suite qu'il y a à le mettre en scène. Et c'est pour ça peut-être que moi je tourne sur ces sujets-là, enfin, c'est que c'est ce qui m'inspire, que ce soit pour À perdre la raison, Les propriétés, Élève libre, ou ici, Économie du couple. Mais. Parce que même la télé-réalité n'arrive pas à raconter ça. Je trouve que c'est ce que la télé-réalité d'ailleurs raconte le moins bien. C'est l'intimité familiale ou l'intimité. Donc le cinéma arrive à préserver cet espace. Il faut essayer de rester intuitif, quoi. Voilà. Mais. Et se demander comment les choses vont être reçues par le spectateur, oui, c'est vachement important. L'envie, quand même, aussi, c'est d'aller chercher le public sans jamais céder sur la qualité ou sur la complexité, en fait, plutôt. En fait, voilà, pour être clair, moi, je pense que mon ambition ou ma conviction, c'est que il faut tout le temps lutter et travailler pour amener de la complexité vers le plus grand nombre. Voilà.